Yo tout le monde, aujourd'hui, après 1 milliard d'autres vidéos sur Halloween, voici un truc extrêmement original, l'édition spéciale Halloween. On commence cette désinformation internetisée par une invention d'une marque anglaise, et qui est de changer les dessins des ongles. Wow, une invention très très utile, même que vous allez probablement l'utiliser toute l'année. Si ça se trouve. Bon, après, ça, ce n'était juste que des trucs, à chier, hein. Ne disons pas les mots, enfin, bon, on l'a dit, mais bon. Parce que maintenant, entrons dans le monde fabuleux des émissions comme Zone Interdite ou Enquête Exclusive. Pour commencer le truc, eh bien, déjà, on a un fait divers. On a un mec avec un costume qui croyait qu'avec ce costume à 1,59€, eh bien, il pouvait être invincible. C'est surtout qu'avec le prix de 1,50€, eh bien, vous pourrez avoir 5 ans de prison gratos. C'est pas génial, ça? Bon, ceci était une affaire classique. Montons un peu encore en niveau. On a un deuxième mec, un inconnu numéro 2, qui cette fois-ci, juste pour un tapage nocturne de 1 sur 365 jours, a décidé de dégainer un putain de couteau. Voilà. Bon, excusez-le, tout allait bien chez lui, alors bon. Bon, après le beat que j'ai fait, eh bien, parlons de voyage, de soleil, du bon temps, de l'eau, avec un voyage dans les catacombes de Paris. Enfin, un voyage, voilà. En fait, déjà, pour pouvoir aller à ce voyage, eh bien, il faut rédiger une lettre de motivation. Mais attendez, d'où on a besoin de rédiger une lettre pour aller à un voyage? On vous entend, les mecs de chez Daesh qui ont reçu l'autorisation d'avoir une arme. Et puis ensuite, pour le voyage en lui-même, voilà. N'avait pas le droit de s'approcher des murs. C'est beau comme voyage. En fait, après les 5 ans de prison, eh bien, grâce à l'organisateur Airbnb, eh bien, vous pouvez perdre du temps. Et ça, c'est encore plus beau. Voilà, c'était tout pour cette édition spéciale Halloween. Une édition que j'espère qu'il vous plaira. Alors, je peux vous laisser dessus et vous dire dans quelques semaines pour une nouvelle chose, une nouvelle vidéo. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc.